Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis le 19, le Saint-Père m'a créé cardinal et le représentant a eu l'amabilité de se déplacer comme les autorités de ce pays pour prendre part à un moment unique de notre histoire où musulmans, protestants, catholiques, tout le peuple s'est retrouvé parce que ce moment est un moment où notre pays a une visibilité. Et aujourd'hui, il vient pour qu'on puisse échanger un peu sur la situation du pays. Comme vous le savez tous, nous voulons que les populations vivent en paix. Et ce que nous recherchons. Et si on peut conjuguer, converger nos points de vue pour aplanir les différends et donner la chance à la paix d'advenir dans la tête, dans le cœur des gens, on le fait. Et nous avons échangé autour de cela. Parce que l'Église a aussi une autre manière de voir, hein, d'analyser les choses. Et l'Église est une sensibilité dans la société qu'on ne peut pas négliger. Et on veut apporter cette sensibilité de manière positive avec les autres. On n'a pas la prétention d'avoir la réponse à tout. Non, une réponse parmi tant d'autres. Mais nous voulons que cette réponse soit écoutée et prise en compte pour le bien de la population. Nous avons échangé pour aussi dire que nous voulons que les endroits où il y a actuellement les tensions, ces tensions puissent baisser. Et nous sommes les leaders, pas d'opinion, les responsables religieux, nous nous adressons à des consciences, nous lançons des appels à ce que les populations écoutent. La guerre n'a jamais résolu les problèmes dans les pays. La guerre reste seulement des dégâts, et des dégâts souvent humains. Par les pertes humaines et des dégâts aussi matériels, les démolitions, les destructions. Et à la fin, on se dit, tout ça pour ça, on a intérêt plutôt à arrêter, se regarder en face. Parce que la communauté internationale est venue ici pour aider la République centrafricaine qui était confrontée à une tension, à des différends, à des moments de conflit interne. Maintenant, c'est aux Centrafricains de se retrouver, et plusieurs fois ils se sont retrouvés pour élire un président, pour élire aussi les députés. Les autorités sont là, nous devons tous maintenant travailler avec ces autorités pour les aider à faire revenir la paix. Ceux qui détiennent encore les armes, je les supplie, je les conjure à pouvoir déposer les armes. On construira la paix quand ça sera pour dialoguer, exprimer nos points de vue, quand on fera des concessions, quand on recherchera des consensus, quand on aura à négocier. Et pour négocier, il faudrait que nous puissions au moins avoir du respect pour celui qui est en face, le partenaire ou mon frère. Parce que parfois ici, quand on enclenche la guerre, on considère que l'autre est un ennemi, alors qu'il n'est pas un ennemi, c'est un frère. Nous sommes tous centrafricains, avant d'être musulmans, avant d'être de telle ethnie, telle tribu, telle région, centrafricains. Réveillons-nous, mettons-nous ensemble, enterrons nos haches de guerre, construisons ce beau pays qui a besoin aussi que ses enfants puissent grandir. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'endroits, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a la guerre. La guerre freine le développement d'un pays et nous demandons à ce que les Centrafricains puissent avoir, je le dis souvent, sur ce patriotique, aimer ce pays, s'aimer et bâtir le beau pays pour un avenir meilleur. C'est le sens de notre réunion de ce matin. Je partage à tout point de vue ce qu'il vient de dire. C'est un message fort et j'espère que Guira FM le partagera avec d'autres médias, mais surtout que la population centrafricaine, comme elle l'a toujours écouté, recevra ce message avec le cœur. Parce que, comme on dit, c'est bien dans le cœur et dans l'esprit des hommes et des femmes que commencent les guerres. Et ce que nous ne pouvons pas faire en tant que MINUSCA, son éminence peut le faire avec ses frères, dans le cadre de la plateforme religieuse, avec sa force, son influence, son autorité morale. Il peut atteindre des dimensions que nous aurons du mal à toucher. Et donc nous voulons vraiment lancer un appel pour que son appel à lui soit entendu, que les Centrafricains comprennent que le moment est venu de se retrouver en frères et de bâtir ce merveilleux pays. Maintenant, j'ai aussi une visite à titre personnel comme croyant. Hein, je suis quand même venu rendre hommage et saluer son éminence après avoir eu le privilège extraordinaire de participer au Vatican, à sa création comme cardinal. Voilà, c'est un moment important pour nous, c'est un moment important pour le pays.
et nous espérons que les fruits de ce signe de la Providence va vraiment accompagner cette nation pour qu'elle puisse guérir de toutes ses blessures.